יש לנו חוקרת אחת שהגיעה לפה במיוחד מצרפת, דוקטור קלר רובינשטיין כהן, שהיא בעצם ילידת העיר סוס, ועבודת הדוקטור שלה עסקה בקהילה היהודית בעיר סוס, והיא נחשבת בעצם לחוקרת המובהקת ביותר של הקהילה הזאת. היא ארגנה תערוכות על יהודי טוניסיה בתקופת הכיבוש, הייתה סגנית הנשיא של האגודה לחקר יהודי טוניסיה במשך שנים רבות, ונשיאת האגודה בשנים 2019 ו-2020, והיום היא משמשת כנשיאת האגודה של סוס, שמטפלת בשיקום של בית העלמין היהודי בסוס. תודה רבה קלר. אז זה קלר תגיד, קלר יודעת להגיד, אלדד את המצגת שלה. Donc je fais mon intervention en français. Je comprends bien l'hébreu, mais ça viendra plus tard. Je ne sais pas quand. La communauté juive de Sousse, du régime de Vichy et de l'occupation nazie à la libération. Alors évidemment, tout a été dit pratiquement, sauf ce que je vais vous dire, j'espère, de manière à ce que ce soit un petit peu nouveau. Et puis nous aurons encore les nouveautés que vous venez d'entendre avec mon collègue Victor. Très bien. Alors, dans le cadre de ce colloque, j'avais pensé justement qu'il aurait été très important de savoir quels étaient, après les 80 ans de la libération de la Tunisie du joug nazi, quel était l'impact sur la population juive et les séquelles qu'ils avaient endurées. Or, lorsque j'ai commencé à travailler ma thèse, après 25 ans de vie en Autriche, mon grand-père étant le grand rabbin David Bokobza, je me suis dit, je vais poser plein de questions, faire des témoignages. Je n'ai rien eu comme témoignage d'autre que ceux qui me disaient, on a souffert, mais on ne peut pas vous raconter nos humiliations parce qu'on ne veut pas que nos enfants sachent qu'on a été battus, qu'on a été écrasés, qu'on a été humiliés. Donc ils ne voulaient rien dire. C'était le désert pour un historien. Très difficile. Il fallait surmonter tout ça. Alors, la population juive était donc de 6000 personnes, parce qu'en réalité, Sousse n'en avait que 3840, mais tout autour, toutes les petites communes, Madia, Moknin, Tsaken, etc., toutes ces petites communes, Enfida, comportent toutes des juifs. Alors, on va voir dans un deuxième temps, après l'analyse sociologique, dans un deuxième temps, ce sera la gravité des mesures prises par le gouvernement de Vichy à l'égard de la communauté juive de Sousse. Ensuite, comment elle s'est organisée sous la botte nazie, les fameux 6 mois sous la botte, dont parle Paul Guèze, et quels ont été surtout les personnages clés de la résistance aux occupants italo-allemands, ainsi qu'aux collaborateurs français. Nous essaierons donc de comprendre, si vous voulez, comment s'est faite réaction. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc, vous pouvez monter un tout petit peu. Vous pouvez monter un peu la... Là, je dois... Oui, je sais. Il faut que ça soit un peu moins grand. Alors, je n'arrive pas. Hein ? Si, si, on peut, bien sûr qu'on peut. Bon, c'est pas grave. Je vais voir ici. Alors, la Tunisie était en fait, elle avait partout, comme vous voyez là, vous le voyez partout, il y a des communautés juives sur tout le territoire. Et vous voyez Sousse là, ici, donc Sousse qui est juste au centre, ça ne sert à rien, je vais l'enlever. Et ça c'est la carte qui a été faite par Paul Sebag et qui ensuite a été travaillée par moi quand même pas mal de temps pour arriver à ce résultat où on voit toutes les communautés juives de Tunis. Non, c'est pas ça. Ah oui, ça c'est renversé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je reviens à la première. Bon. Alors, la troisième, s'il vous plaît, c'est moi qui dois le faire. Voilà. Alors, c'est le grand rabbin
David Bokobza, dont vous avez déjà parlé, là, pour celui qui dirige l'orchestre, qui a été formé, qui a été... Donc, son grand-père, je crois, a été désigné par mon grand-père, qui est mort en 1955, et qui avait été un érudit et un talmudiste renommé. Je recherche sa bibliothèque et j'envoie un appel, car nous l'avons envoyé ici en Israël, et je ne sais toujours pas où elle est. Alors, voilà la ville de Sousse, en 1936. Et nous avons donc ici, en plus petit, attendez, il faut que je diminue, nous avons les chiffres du recensement de Tunisie. Et ces chiffres du recensement que nous avons ici, sur la diapositive 4, ont été les chiffres donc de la collaboration du gouvernement de Vichy et de Ayo de Tilly était un zélé vraiment collaborationniste, pas collaborateur mais collaborationniste, il y a une grande différence. Collaborationnistes, ce sont ceux qui ont collaboré avec les Allemands directement au-delà de ce qu'on leur avait demandé. Alors, selon ce rapport, on avait en tout 63 668 Tunisiens, 16 000 Français, 3 200 Italiens, 668 Britanniques, d'autres. En tout, il y avait 85 000 Juifs environ, 84 970 Juifs en Tunisie. Alors, sous le régime de Vichy, que s'est-il passé ? L'ouvrage du professeur Kamel Gerfel nous a parlé des colonies européennes à Sousse de 80 à 89. Et on voit qu'il y a une grande différence entre les Souassa, ce que j'ai baptisé les Souassa, les Soussiens, donc tunisiens, et les Graines. Et en fait, c'est la seule ville, en réalité, où les deux sont en parfaite harmonie. Il n'y a pas de division comme à Tunis, le cimetière est commun. Et les Souassa disent souvent aux Graines, vous êtes meilleurs que nous, allez-y, prenez la direction de la communauté. Alors, ils se partageaient vraiment les responsabilités communautaires. Entre 39 et 42, c'est l'épisode de Vichy et l'antisémitisme est déchaîné. Déchaîné en France, après l'armistice du 22 juin 1939, et le premier statut des Juifs, qui est promulgué le 3 octobre 40 en France, et tout de suite après, le B donne sa signature, 30 novembre 1940. Deuxième statut des Juifs, 2 juin 41 en France, quelques mois plus tard, le 12 mars 42 en Tunisie. Quel a été l'impact de ces mesures sur la population juive ? Eh bien, nous avons le témoignage, par exemple, ici, un document, qui est un document que j'ai trouvé par hasard, mais qui s'appelle Cohen Balaloum, c'est ma famille, mais il est de Tunis, parce que ma famille est originaire de Tunis, ma mère est originaire de Sousse, et on voit comment il a rédigé cette déclaration qui était exigée de tous les Juifs, pas seulement les Tunisiens, mais même les Livournais, tout le monde devait expliquer ce qu'il possédait. Alors, 3 actions de 100 francs, 1/6 sur hypothèque, bref, tous les titres fonciers. Et nous avons retrouvé la totalité du carnet que nous avons exposé le 8 mai 2019 à la mairie du 4e arrondissement de Paris et où j'avais fait avec Claude Nataf, qui était président, l'exposition sur exactement cela, Vichy et l'occupation nazie. Alors, la liste des expulsions. Voyons quelles étaient les expulsions. Vous avez entendu parler déjà des expulsions et des exclusions. Alors, on va commencer par les exclusions. Les exclusions se sont attaquées exactement à la bourgeoisie. Alors, il y en a beaucoup. Les Minotiers, je donne des noms, Ghanem, Darmoni, les Alfatiers, ceux de Hayat, Gino Hayat, d'autres comme les Berda, Salomon Berda, voilà, Nizar, on a les Nizar, les Madar, qui sont des assureurs, les Cohen, qui sont des exportateurs d'huile, dont mon père, les imprimeurs, comme Albert Bessis, vous voyez, il y avait des imprimeurs, Gabay, Mahlouf Nadjar et Albert Bessis, c'était la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, les Ishaï, les Sebag, les propriétaires terriens, dont les Herrera, par exemple, les Guilaori, qui possédaient la moitié de la ville, sinon plus,
Et même à, Kébira, à Calagbira ou Calasrira. Et puis, il y avait aussi les propriétaires italiens, les Salas, les Moiti, dont on a parlé tout à l'heure, de Serge Moiti, qui sont originaires aussi de Sousse, Victor Temim et René Guèze. Alors, vous allez voir ici un exemple de ces exclusions. Et là, je passe vite parce que ce sont les mêmes noms que je vous ai donnés. Alors, entre-temps, en juin 1942, se fait un durcissement du commissariat aux affaires juives, parce qu'on a accusé l'amiral Esteva d'être le défenseur des juifs. Alors, du coup, résident général, il a changé son attitude et il a été ou obligé ou très sensible à Pétain, qui était son très grand ami, je tiens à le signaler, très chrétien par ailleurs. Il comprenait quand même les aspirations des juifs à ne pas être quand même malmenés. Donc il les aidera à un moment et il laissera les dénonciations à un autre moment. Par exemple, les accusations concernant les collusions anglo-américaines et russes et l'utilisation de l'argent américain par les juifs. La nécessité de contrôler davantage les juifs a permis à favoriser ce qu'on appelait les administrateurs provisoires. Or, on a trouvé des lettres de musulmans qui voulaient être administrateurs provisoires, donc prendre la place des juifs pour leur, même à Sousse, hein, pour donc les biens. Donc ils devenaient, c'était pas des Ariens, c'était des Sémites, mais comme en Europe on les appelait les Ariens, c'était la même mesure. Et Ayo Dutilly, qui est responsable de la question juive, y compris à Tunis, il dit ceci: les musulmans ne peuvent admettre, lui il peut comprendre, que les musulmans ne puissent admettre que les juifs, en infime minorité, continuent de recevoir du trésor des taxes prélevées sur les vins et la viande cachère pour les écoles juives, en se posant la question suivante: leur Dieu reste-t-il donc plus fort que le nôtre? Grande question. Alors, ensuite, on a un arrêté résidentiel qui définit les limites et les conditions d'exclusion des avocats et des avocats défenseurs juifs de Sousse. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, et il y a un numerus clausus qui est établi à 5% du total des avocats non juifs inscrits au bureau en date de la promulgation du décret. On va tenir compte de quelques faits spéciaux, par exemple quand on était avocat pour le B. Enfin, il y en avait beaucoup. Voilà la liste de ces avocats. Alors ici, on a les avocats juifs et les avocats non juifs qui s'entendaient très bien. Les avocats non juifs sont au nombre de 15. 7 sont musulmans, 8 sont chrétiens. Ils se connaissaient et s'appréciaient beaucoup. Ils appréciaient beaucoup aussi leurs 10 collègues juifs. Donc il y avait une sorte d'entente cordiale entre juifs, musulmans et chrétiens. 5 avocats défenseurs, dont Georges Binas, dont je vais vous parler, Sauveur Binas, Azoulay et Mario Tchitanova, et, qui étaient des graines, et Habib. Alors chaque avocat juif a été obligé de faire une notice individuelle où il devait tout dire. Et on n'a pas justement leur fiche, on ne les a pas retrouvés. On espère toujours retrouver, elles ont disparu. Donc dans les archives, peut-être un jour, les retrouverons-nous. Alors ici, nous avons l'occupation de la Tunisie par les troupes italo-allemandes. Vous avez déjà entendu parler de cela, donc je ne vais pas insister là-dessus. Le débarquement allié du 8 novembre 1942, la Tunisie a été occupée par les armées de l'Axe 6 mois après la décision donc, de Esteva. Du 9 novembre 1942 au 13 mai 1943. Sousse a été libérée donc le 12 avril, un peu avant, puisque les troupes remontaient, les troupes britanniques remontaient du sud où elles avaient battu les Allemands. Alors, Robert Attal a écrit dans Les Juifs de Tunisie sous l'occupation nazie: seul des 3 pays de l'Afrique du Nord à être occupés par les Allemands, la Tunisie a sans doute été le plus meurtri des 3 par la guerre. C'est en effet sur son sol que soldats nazis et troupes alliées se sont affrontés pendant plus de 6 mois, de novembre 1942 à mai 1943. Certes,
si toute la population civile de ce pays eut à souffrir sans distinction des restrictions alimentaires et des violents bombardements aériens, les Juifs, eux, eurent en outre à subir le régime spécial que les nazis avaient institué dans les pays de l'Europe occupée. Les Juifs de Tunisie furent considérés par les forces d'occupation italo-allemandes comme des ennemis, traités comme tels. Et ainsi, au lendemain du débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942, l'occupation allemande fit basculer les communautés juives sous la tyrannie nazie. Les chefs des différentes communautés juives de Tunisie s'évertuèrent à éviter le pire à leurs concitoyens, avec développement, comme l'atteste pour Sousse, le rapport de maître Georges Binas, que nous allons avoir à lire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui sont les personnages, comme je vous l'ai dit. Le général Nering, du côté allemand, son successeur, le général von Arnim, qui ont investi les ports de Sousse et de Sfax, et qui ont occupé tout le littoral jusqu'à Djerba. Alors, il y avait le Bey Ahmed, ensuite l'amiral Esteva, dont on vous a parlé, et à la mort du Bey Ahmed, celui qui lui a succédé, le 19 juin 1942, c'est le Bey Mansef, qui lui a donc... Non, c'est pas possible. Non, vous m'avez donné un temps limité, je vais le respecter. Excusez-moi, Haïm. Alors, comment s'est faite l'organisation de nazis et la Tunisie? Vous l'avez vu à travers les personnages de Walter Rauf, qui était l'inventeur des camions à gaz, et de Théodore Émile Zaevéké. Zaevéké a été, si vous voulez, le grand organisateur des difficultés ou des maltraitances qui se sont passées à Sousse. Alors donc, on avait vu en 1940 ces Soussiens et leur nombre. Voyons maintenant les bombardements à Sousse en 1942, les pillages et la fuite des Juifs vers les villages du Sahel. Alors nous avons les témoignages, celui de Sauveur Baranès, l'exode des Juifs de Sousse vers les villages du Sahel. Alors il dit ceci: au mois de décembre 1942, après l'arrivée des Allemands et à la suite des bombardements massifs, donc le représentant de la résidence à Sousse avait interdit l'évacuation de la ville par la population, mais le mouvement de départ et de fuite désordonné s'est produit quand même et les victimes juives des bombardements furent assez nombreuses. On a aussi pillé les maisons juives. Donc là, ils ont été obligés de tout donner. Donc on a vu Zaevéké, mais avec lui Rauf, et c'était eux donc les principaux maltraitants, les principaux persécuteurs allemands. Maintenant, voilà ce que dit Georges Binas. Alors, Georges Binas, il fait un rapport que j'ai retrouvé donc dans les à l'Alliance et puis au Centre de documentation. Ça s'appelait à ce moment-là Centre de documentation juive contemporaine. C'est maintenant le Mémorial de la Shoah. Je me nomme Binas Georges, âgé de 43 ans, demeurant à Sousse. Voilà. Profession avocat défenseur. J'ai assumé, donc, à partir de février 1943, les fonctions de chef des communautés israélites du contrôle civil de Sousse, car M. Darmouni Nessim, qui était aussi l'un des plus riches de la ville, n'était plus en mesure de le faire en raison de son âge et de son état de santé. Alors, les deux amendes collectives. Quelles sont ces deux amendes collectives? La première, c'est un emprunt de 15 millions de francs qui a permis de payer cette amende de 15 millions de francs, qui était destinée donc aux Allemands pour la première imposition dont la population du contrôle civil de Sousse avait été frappée. Donc, des représailles étaient prévues. La deuxième a été de 10 millions de francs. Et ces deux amendes, elles ont été donc autorisées par Zaevéké, qui était partout accompagné du chef de la Gestapo de Sousse, le commandant Bess ou Best. Et ça a laissé des traces dans la mémoire des Juifs de Sousse. Ce commandant était terrible. Il y avait aussi deux autres officiers, dont, dit-il, j'ignore les noms, mais un qui était le service d'ordre légionnaire qu'on appelait le Sol. C'était un Allemand d'origine naturalisée française qui s'appelait Lebach, et il était en fait interprète à la commandantour de Sousse. Et il n'a pas cessé de
d'aller, de multiplier les brimades et les vexations auprès des Juifs. Donc l'amende a été payée billet par billet par la bourgeoisie. Ils ont été de l'un à l'autre, chacun a donné millions de francs. Bon, voilà. Et en 60 heures, ça a été distribué, un peu différent de Djerba. Alors, le travail obligatoire. On va voir le travail obligatoire. C'est une chose qui n'a pas été dite, que je voudrais dire. Pourquoi il y a eu tant de morts? Parce qu'ils ne sont pas répertoriés comme morts de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont répertoriés comme victimes des bombardements, tout simplement. Et pourquoi sont-ils victimes des bombardements? Parce qu'en cas d'alerte, ils n'avaient pas le droit de se protéger. Ils devaient rester au port où pleuvaient les bombes britanniques, américano-britanniques. Et les Allemands disaient ensuite, vous voyez bien, vous avez été tués par les Alliés, donc vous devez payer. Voilà, ça c'était le raisonnement allemand. Et ils n'avaient qu'une heure de repos. Et quand les bombardements commençaient, ils étaient directement en ligne de mire. Alors, le travail obligatoire, c'était les jeunes de 18 à 25 ans. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le STO. Donc, ils étaient rassemblés à la caserne Ardent-du-Pic, dirigés vers les toques pour combler des trous imaginaires qui avaient été creusés par les précédents. Donc, les uns creusaient les trous et les autres venaient donc tout de suite après pour les combler. Voilà le travail qu'ils faisaient. Bon, on saura aussi qu'il y avait quelques personnes qui étaient déjà résistantes et qui mettaient un peu d'eau un peu partout pour ne pas arriver, pour ne pas combler ces trous. Alors, Binaz dit, j'ai moi-même été astreint au travail obligatoire et il a été atteint même dans sa famille. Le port de l'étoile jaune. Alors, le port de l'étoile jaune, c'est très important parce que ça n'a été vraiment appliqué qu'à Sousse et à Sfax. Donc là, Chaim pourra me le dire aussi. Et donc, ils étaient rassemblés, Best les frappait, et à partir de 6 ans, ils devaient porter ostensiblement l'étoile jaune, qu'ils soient filles ou garçons. Et le fils même de Georges Binas, qui nous écoute et qui est en ligne, et qui vous remercie, nous dit que lui-même l'a porté, il avait 6 ans, et il a porté l'étoile jaune. J'en ai reçu plusieurs. Au moment où j'ai fait mon livre, j'ai reçu plusieurs étoiles jaunes. Bon, j'étais obligée de les rendre, parce qu'il fallait quand même les rendre. Mais c'est tout. En tout cas, c'est vrai. Ensuite, le problème de l'étoile jaune est un problème très particulier qu'il faut vraiment traiter dans une conférence. Parce que les Italiens ont été... le fait que les Tunisiens n'aient pas eu à porter l'étoile jaune, c'est lié un petit peu au fait que les Italiens étaient protégés en quelque sorte, pour ne pas la porter en tant qu'Italien, et ils auraient dû la porter quand même. Alors, est-ce que les Tunisiens musulmans ont aidé les Juifs tunisiens dans cette période difficile? Oui et non. Alors oui, pour certains, ceux qui ont accueilli les Juifs qui étaient en fuite, en exode, dans leur villa, par exemple les Ghanem, les familles aisées musulmanes à Djerba, à Djemal, à Kala Kbira, à Kouda. Et donc, ils ont accueilli des familles entières. Quand on dit famille, c'était 30, 40 personnes. Ce n'était pas une famille d'aujourd'hui, c'était les familles de l'époque. Et puis, il y a quelqu'un dont la fille maintenant revendique après sa mort la nomination de juste parmi la nation. Il s'appelle Khaled Abdel Wahab. Il avait à ce moment-là 32 ans et c'était à Madia. Et il a abrité une jeune fille qui a été sauvée de cette manière-là, alors que les Allemands habitaient dans sa ferme. Alors, je vais passer sur le bilan économique, parce que je suis un petit peu en retard. En tout cas, la communauté juive de Sousse a très bien géré ses finances, d'autant que les riches ont mis sans arrêt la main à la pâte. Un événement majeur a porté un coup d'arrêt à l'application des mesures anti-juives. C'est la 8e armée de Montgomery, commandant en chef de l'armée britannique, en compagnie de la force du général Leclerc, unité FFL, formée au Tchad, qui ont mené une offensive qui a abouti à la libération de Sousse le 12 avril 1943. C'était l'avenue principale qu'on appelait comme ça à l'époque. Donc la Tunisie a été libérée en mai 1943. Après 6 mois d'humiliation et de servitude, la ville de Sousse a été libérée. Mais comment cela a-t-il été possible? C'est donc quels sont les facteurs de survie
de cette population, d'abord des hommes compétents et déterminés comme Georges Binas, Albert Ghanem, Marcel Sedbon et bien d'autres, qui ont payé de leur personne les défaillances que constatait la Gestapo. Des résistants anonymes parmi les Juifs qui ont défié les SS sur place et qui protégeaient les plus fragiles en leur évitant le travail obligatoire. Des chrétiens comme le maire de Zévaco, le maire de Sousse qui s'appelait Maître Zévaco, et des musulmans comme le caïd Ben Ramdan qui aidèrent les Juifs et refusèrent la politique antisémite des Allemands qui dressait toute la population locale contre les Juifs. Je raconte juste que ma mère a fait éviter le pire à sa famille de 30 personnes en disant « Typhus, typhus », alors que les Allemands avaient été chez eux et mes parents avaient été dénoncés par quelques personnes, quelques voyous locaux. Alors la pression totale exercée par la proximité des armées alliées et tous ces facteurs permirent le renforcement de la solidarité entre les membres de la communauté juive, ce qui a permis quand même la libération. Alors, ma collègue Anne-Marie a parlé des engagés volontaires. Je voudrais signaler surtout Gage, qui est un héros de la guerre, l'aviateur, et qui a été tué, qui a donné sa vie pour la France. Alors la vie a repris dans les lycées et les collèges, classe de terminale que vous voyez au lycée de garçons de Sousse. Le sentiment d'appartenance à la culture française allait-il se maintenir malgré les dures épreuves subies pendant la collaboration et l'occupation nazie au cours de la Deuxième Guerre mondiale? Et là, on peut dire qu'il y a une période de doute et de déstabilisation qui s'est installée dans la communauté juive de Sousse, ce qui explique immédiatement après les départs en 1948 pour Israël après la proclamation de l'État d'Israël et pour la France à partir de 1956. Voilà le conseil de la communauté juive de Sousse en 1950 et c'est un document de Benjamin Lichaï. Je vous remercie.